Alors, comment ça s'est passé? C'était bien passé. Pensez-vous que vous allez avoir ces contrats? Bien. On a fait notre mieux, mais rien n'est certain. Alors, quand est-ce qu'ils vont vous rappeler? Bien, disons une voire deux semaines, peut-être plus. J'ai pris que vous gagnez ce contrat. Amen, merci. Bébé, tu es très brillant et tu travailles durement. Je sais. Bébé, je vais te rappeler après. Je viens de rentrer. Je dois aller me doucher et me reposer. Ok. Je t'aime énormément. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. L'amour triomphe toujours. Chérie, tiens-moi dans tes bras, je suis amoureuse. Jeune fille, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il t'a dit d'ailleurs? Bien, il m'a dit qu'il m'aime beaucoup. C'est pour ça que tu danses de cette façon? Bien sûr. Je sais bien que tout ce qui a trait à l'amour ne t'intéresse même pas. Excuse-moi? Tu veux dire quoi par excuse-moi? C'est quand la dernière fois que tu étais en relation, madame? C'est pas tes oignons. Exactement! Oui. Attends. Donc, dans ta tête, tu t'es dit que je ne connais rien à l'amour, hein? Non. Je veux juste te dire que tu refuses de bouger. Tu sais quoi? Laisse tomber, je suis pas d'humeur. Que veux-tu dire par arrête, tu n'es pas d'humeur aujourd'hui? Ok, oh. Moi je suis de bonne humeur aujourd'hui. Toutefois, l'ami des Luz est cinglé dents au cas où tu voudrais bien. Il est aussi très beau. And when he tells me my love is your love, baby, me no wanna got you back or defend. Pourquoi elle s'est souciée comme ça? N'est-ce pas toi? Tu as encore commencé à tromper la fille de quelqu'un. Regarde comment tu enlèves la main comme si ça te brûle. S'il te plaît, je ne veux pas toutes ces histoires d'amour qu'Abigail parle en ce moment, ce n'est pas ce que je veux. Regarde ce qu'il dit. Toi qui cours après toute fille que tu rencontres sur cette terre. Gars! Regarde cette fille. Très jolie. Elle est sexy, mec. T'inquiète pas, je sais quoi faire. Comment penses-tu gérer ça maintenant? Faire quoi? Il est clair qu'Abigail est amoureuse de toi. Et maintenant pour cette fille aussi, tu es en train de mourir ici. Comment penses-tu gérer les deux? Qu'est-ce qui te fait penser que je vais draguer toutes les deux? Hein? En ce moment que nous sommes, qui a la force pour draguer deux femmes? Non. Écoute, je n'ai rien contre Abigail, mais en ce moment, ce que j'ai besoin est celle qui me va très bien et Abigail ne me convient pas. Donc tu veux rompre avec elle? Éventuellement. Mais ça sera après avoir gagné ma nouvelle go. Mais en attendant, je fais avec Abigail. Tu es malade. Oh, elle est bien maintenant juste parce qu'elle t'aime. Écoute, je ne sais pas là où tu vas avec ce sujet. Que j'aille chercher quelque chose à manger. Ça a l'air délicieux, hein? N'est-ce pas Abigail qui l'a préparé? Égare! Pardon, hein, avant de rompre avec Abigail, rassure-toi que je ne sois pas à la maison. Mais pourquoi? Tu le sais, non? Moi, j'ai pas la force pour consoler et essuyer les larmes de quelqu'un. Oh. C'est toi qui sais. Je l'ai déjà dit. Gare, tu sais, je n'avais pas cru quand tu avais dit qu'elle serait ici. Tu pensais que je blaguais, non? Ouais. Gars. Mais comment tu as su? Quand je veux quelque chose, je n'hésite pas à ménager mes efforts. Tu sais ça, non? Tu sais. Gars. Dis-moi, comment crées-tu même le temps pour ce travail de détective? Frère, je fais tout pour avoir ce que je veux. Tu me connais. Je me bats pour ce que je veux. Par ailleurs, on va s'abonner ici, ok? Ouais. Et on sera ici chaque samedi. Gars. Pourquoi tu dis gars? As-tu remarqué la distance que nous avons parcourue? C'est toi qui as conduit? Allez, allons-y. Allô? Allô? Ouais. Allô?
Bonjour. Où est-ce que tu vas habiller comme ça? Oui, bébé. Si tôt? Mm-hmm. Tu es venue prendre le petit déjeuner. Ah. Coup de chapeau, ma belle. Hey. Oh, sérieusement, j'admire ta façon de l'aimer. C'est parce qu'il est tout pour moi. Je sais. Mais voudrais-tu venir avec moi? Tu essaies de me faire rencontrer Johnson? Non, merci. Tu vas l'apprécier. Pas du tout. Bien, je m'en vais alors. Amuse-toi. Bien sûr, je lui dirai que tu l'as salué. Je ne t'ai pas envoyé. Tu l'as fait. Madame, je sais tout. Arrête des bêtises. Tu es vraiment folle. Mais c'est comme ça. Je dois juste l'abandonner. Un virage absolu. Donc tu penses que c'est ça? Hey. Abby, comment tu vas? Salut, Johnson. Wow, tu es ici? Oui, je fais le petit déjeuner. Tu me manques beaucoup. Tu m'as manqué aussi, d'accord? Pourquoi tu me regardes de la sorte? Ouais, parce que tu es belle. Tu es aussi très beau. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi. Je dois rafraîchir le corps. Ok, je te sers le petit déjeuner, ok? D'accord. D'accord. Hey. Ah, oh. Devine quoi? Quoi? J'ai envie de tomber enceinte de lui. C'est la folie qui te pousse à dire ça. Je sais que tu ne vas pas aimer, mais c'est mon choix. C'est mais ce que je veux en fait. Il y a aucune raison pour encourager cela. Mais ma chérie, écoute-moi d'abord s'il te plaît. Écoute, j'ai passé toute une journée avec lui et j'ai senti une force en moi me disant que nous allons bel et bien finir ensemble. Alors attends qu'il fasse ses pas. Babe, ça ne peut pas être possible pour toi de penser qu'une relation amoureuse peut toujours bien finir. Et est-il possible pour toi d'arrêter d'agir en naïf et attendre ce que vous mariez avant de tomber enceinte? Bien. Mais je pense que tu sais que la société vit maintenant d'une autre manière. Hein? Et aussi dans cette même société où nous vivons, tu vois comment le mère célibataire souffre. Bien. Je voulais juste ton opinion. Écoute, Abigail, n'agis pas bêtement. Je sais que tu l'aimes. Juste laisse les choses se dérouler comme il se doit. C'est pour ton bien. Je t'ai entendu. Je t'ai écouté. Sois la bienvenue. Tu dois comprendre. Ah. Tu vois que ce gars se calme, non? Allô, Barry? Calme-toi, nous sommes en cours de route. Tu nous verras dans 25 minutes. Gars, calme-toi, non? Calme-toi. Dans quelques minutes, tu vas nous voir. Ouais. Ok, ça va. Ça va. Qu'est-ce qu'il a dit? Que nous sommes déjà en retard de 25 minutes. Tu le connais, non? Ce gars serait probablement là-bas 40 minutes plus tôt. C'est pourquoi il a commencé à monter la pression. Mais pourquoi est-ce qu'on suit ce type jusqu'ici? Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons besoin de lui. Je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas le supporter. Gars, il a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mec, ce n'est pas cette fille, ça. Ouais. Waouh. C'est peu qu'elle travaille ici. Donc, c'est ici qu'elle travaille. Gars, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Nous sommes déjà en retard. Quel est ton problème? Relax, non. Juste 5 minutes. Laisse-moi lui parler. Non, gars, s'il te plaît. Allons-y, partons. Nous n'avons pas ce temps. Tu sais maintenant là où la rencontrer après la gym. S'il te plaît, allons-y. Mais toi aussi, hein. Donc, 5 minutes va te tuer. Coupé, s'il te plaît. C'est moi qu'on appelle. Allons-y. Allons-y. Copain, conduis, non? C'est mon téléphone qui sonne. T'inquiète pas. Ce que tu viens de faire là, t'inquiète pas, je te le rappellerai.
Salut bébé. Hey, comment ça va? Je vais bien, et toi? Je suis vraiment fatigué. Oh, tu avais une journée surchargée alors? Ouais, ça a été. Bien, je dois te rappeler après. Oh, ok. Quoi? Est-ce que tout va bien? Parce que j'étais là depuis longtemps et je t'ai vite transformé de la fille heureuse à ce visage que tu as maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien du tout. Il a dit qu'il va me rappeler. C'est pour ça que tu te fâches? Mais qu'est-ce qu'il y a avec moi? Pourquoi tant de questions? J'ai appelé mon homme. Il m'a dit qu'il est fatigué. Il va me rappeler après. Pourquoi toutes ces questions? Laisse-moi tranquille. Est-ce que tu as compris? D'accord. Quoi? Je dois investir, mais j'ai besoin de ton conseil. Tu vas me payer combien? Dis-moi ton prix. Je veux dire, tu es la meilleure conseillère financière que je connaisse. Donc, dis ce que tu veux. N'importe quoi. Allez, s'il te plaît. Je le ferai. Je suis fatiguée. Tout ce que tu as à faire, c'est aller t'échanger pendant que je dresse la table. Il y aura à manger et ton jus préféré. Tu dis la vérité? Alors, ma chérie, t'inquiète, tu auras bel et bien mon service. D'accord, je te reviens. Je sais que tu adores manger. Oh. Salut. Salut. Nous nous sommes déjà vus. Bien sûr, tu me connais. On s'entraîne dans le même gymnase. Oh oui, je vois. Comment ça évolue? Super, je vois que tu travailles ici. Oui. Désolé de te déranger, mais j'aimerais pouvoir t'emmener déjeuner. Oh, wow. Tu es tellement direct. Je suis désolée, j'ai d'autres programmes. Est-ce que tu as une carte? Bien sûr que oui. La voilà. Ok, je vais t'appeler dans la mesure du possible. Ok, merci. Et si je te déposais? Oh, t'inquiète, j'ai parqué juste là au coin. Alors, c'est super. Bye. Bye. Bien, vas-tu travailler déçu? Est-ce que tu vas dîner avec moi? Moi, je suis déjà occupée. Tu vois, tu as des arrière-pensées, toi. Je ne parle juste d'un simple dîner. Qu'est-ce que tu vas me dire lors de ces dîners? Que je suis la plus belle fille que tu n'as jamais rencontrée? Arrête-moi ça, tu as déjà dit ça autant de fois, n'est-ce pas? Comment sais-tu de quoi je veux exactement parler? Et pourtant, j'ai décidé de parler de comment tu es intelligente. Arrête-moi ça. Salut, Johnson. Salut, Abigail. Ravie de te voir. De même que moi. Léo Diala? Non, pas encore. Oh. Je l'appelle, mais il ne décroche pas. Ça, je n'en sais rien. Ok. Johnson. Ouais? Es-tu en relation amoureuse? Quoi? Toutefois, je sais que tu n'es pas en relation amoureuse. J'ai posé juste la question pour savoir. J'ai une amie à moi. Je suis très sûre que tu vas l'apprécier. Mais elle évite d'être en relation amoureuse. Elle n'est pas la seule. Donc toi de même? Ouais, j'aime prendre mon temps. Écoute, je crois que tu as besoin d'elle. Vous pouvez faire un bon couple ensemble. C'est un peu ça. Qu'est-ce qui te fait sentir que tu dois lui trouver un homme? Bien. En fait, j'aime bien la façon dont je me sens. Alors, j'aimerais qu'elle sente aussi la même chose que moi. Alors? Ok,
Je vais y réfléchir. Bien. Je vais attendre. Tiens, ça c'est pour toi. Merci. De rien. Alors, je vais donc continuer à appeler mon bébé. Ok, je serai à l'intérieur. Ok. Mais c'est quand même très cher. Qu'est-ce qui se passe? À ton avis, pourquoi je fais cet appel normal à la place de ce groupe WhatsApp? Oh, s'il te plaît. Tu vas bien? Ça va? Écoute, si ton ami parle à lui et dis-lui de décaisser de l'argent. Ah ah, qu'est-ce que c'est? On ne peut pas aller braquer une banque juste à cause d'elle. Ah! Copain, c'est comment? Comment ça s'est passé? Il n'y a pas eu de spectacle. Quoi? Elle n'est pas venue. Attends. Donc, elle t'a envoyé une adresse, mais n'est pas venue. De plus, elle n'a pas répondu à mes appels ou rappelé. Gare, cette fille est en train de jouer avec ton cœur. Non, allez, écoute. C'est une femme. Qu'est-ce que tu espérais? C'est leur jeu normal. Elle va céder. Laisse-la. Ça veut dire que tu ne vas pas abandonner. Abandonner? Comment? Gare, as-tu oublié à qui tu parles? Je suis un chasseur. Si elle veut, elle peut aller en haut, en bas, parler, faire de n'importe quoi. Au finish, elle va céder. Ok. Abigail est-elle là? Je dois retirer. Je dois retirer cette chose de cette fille. Peux-tu imaginer? Mec, ces appels me rendent fou. Gare, elle a apporté cette nourriture que je mange. Elle l'a apportée ici avant d'aller à la maison. La fille l'a fait de son mieux pour te satisfaire. Donc? Attends un peu, qu'est-ce que cette fille t'a fait? Parce que je ne comprends plus tes réactions ces derniers temps. A-t-elle fait quelque chose que j'ignore? Ma réaction, c'est la réaction d'un homme qui est fatigué, ok? Je suis fatigué. Peux-tu voir? Peux-tu voir? Gare, elle continue de t'appeler parce que tu ne décroches pas. Au moins prends un de ses appels, non? Mais dis-moi quelque chose. Est-ce que tu aimes Abigail? Quelque chose ne va pas avec toi. Non, parce que je ne comprends pas ta manière de la défendre. Si tu as quelque chose en tête, dis-le-moi. Gare, si tu veux parler, parle, dis ce que tu veux. Mais voici ce que je te demande. Traite bien cette fille. Elle ne t'a rien fait. Traite-la bien. Ne laisse pas Dieu te punir. C'est toi-même que Dieu punira. Annofia, regarde-moi ça. S'il te plaît, reste encore, non? Oh, tu demandes cette nourriture. Ne sais-tu pas que c'est le cas de la nourriture que tu vas à la cuisine pour manger? Que cette nourriture ne te tue pas là-bas. C'est toi-même que ça va tuer, imbécile. Tu vas manger.
Hey, bébé. Ah, pourquoi tu es ici si tôt? Mais je m'inquiétais pour toi. Pourquoi? Parce que je ne répondais pas aux appels et tu ne rappelais même pas. C'est que j'étais très très occupé. D'accord? J'étais très occupé avec le travail. Salut Abigail. Salut Johnson. Voilà pourquoi je suis venue me rassurer si tu vas bien. Je vais bien. En plus, ça va continuer pour un temps donné parce que je vais être vraiment pris au travail. Beaucoup de choses que je dois gérer maintenant. Mais est-ce que nous allons bien? J'ai jamais rencontré ce genre de choses. Bien sûr. Pourquoi pourrais-tu poser une question pareille? Parce que je sens cette distance. Non, bébé. C'est juste le travail. C'est que il y a beaucoup de choses à gérer en ce moment. Mais tu sais, on doit commencer à aller au boulot. Il est temps que j'aille me préparer. Ok. Je t'aime beaucoup. Bébé, je te dis que je t'aime. Ah, bébé, idem de mon côté. Ok. Ne veux-tu pas que je puisse t'aider? Non, t'inquiète pas. D'accord. D'accord, à plus. Bye. Je t'appellerai. Je t'aime beaucoup. Ah, mais... Ah, vraiment. De quelle occupation parles-tu? Chef, dégage-toi de mon chemin. En quoi cela te concerne? Grand menteur. Gars, je te l'ai déjà dit. Si tu veux d'elle, prends-la. Je te l'ai déjà dit. Je ne veux pas, t'inquiète, garde-la. Tu ne veux pas parler maintenant. À la prochaine fois, ne mets pas ta bouche dans une affaire qui ne te concerne pas. Qu'est-ce qui me concerne au juste? C'est moi-même qui déconne. Moi, je ne suis pas prêt pour... Salut. Salut. Je suis désolée pour la fois dernière. Non, tu ne l'es pas. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu aurais pu me rappeler, mais tu as fait exprès de ne pas me rappeler. Comment tu en es certain? Comme je l'ai dit, il faut me rappeler, tu vois, ou envoyer un SMS. Et mais je ne l'ai pas fait. Ouais, tu ne l'as pas fait. Et alors, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Je suppose qu'au fond de moi, je veux toujours mon déjeuner ou mon dîner. J'aime l'attitude que tu prends à propos de cela. Les dîners. Mais j'espère que c'est pour de vrai cette fois. Pour de vrai. D'accord. Je vais espérer ton appel. Bien sûr que oui. Je peux t'accompagner? Ok, pas de souci. Ma chérie, est-ce que tu peux... Eww, qu'est-ce qui se passe? Hein? Rien du tout. Que veux-tu dire par rien? C'est réellement rien. Oh. La fois passée, tu te revenais à la maison avec une très mauvaise humeur et aujourd'hui encore ça. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ah. Ma chérie... Je ne sais pas, mais je sens comme s'il y a quelque chose qui ne va pas entre lui et moi. En fait, il y a vraiment une distance entre nous. T'a-t-il dit quelque chose? Pas du tout. Je l'ai appelé pendant 3 jours. Il n'a pas répondu ni me rappelé. Oh, peut-être qu'il était occupé. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Et il m'a aussi dit que ça sera un peu comme ça à cause du travail. Si tu veux avoir mon avis, je te dirais qu'il essaie de te montrer que même s'il est occupé, il aura toujours du temps pour toi. Exactement. Je n'ai jamais entendu quelque chose à propos de lui. Écoute, ne tirons pas des conclusions hâtives, ok? Oui, je comprends. Dis-moi, qu'est-ce que tu voulais me montrer? L'un de mes amis avait présenté les dossiers aux investisseurs et ils sont prêts à payer de l'argent. Hey! Pas jusque-là, parce que... Ce sont aussi mes amis. Je ne peux pas les surcharger. Je savais que tu allais dire ça. Tu es une fille gentille. Tu es très belle. Allez, ma chérie. Que s'est-il passé, gars? Tu es juste parti comme ça.
Il savait que tu irais au bureau de ta petite amie, non? Donc moi, j'ai pas la force pour attendre comme ça. Je suis allé la voir, mec. Devine quoi? Déjeuner ou dîner? Ça va se passer bientôt. Oh, c'est génial. Gare. Je veux te dire quelque chose. Je suis à l'écoute. Rends avec Abigail. Rends avec elle avant que tu ne commences quelque chose avec ta nouvelle petite amie. Du moins, donne-lui ce respect. Pourquoi? Tu t'inquiètes tant pour Abigail et moi? Comment suis-je concerné? Tu n'as pas remarqué que, depuis un moment, notre conversation ne tourne qu'autour d'Abigail et moi? Pour 2 ans, je l'ai observée t'aimer. Elle a pris soin de nous juste à cause de toi. Analyse ça, non? Elle est la seule à avoir investi dans cette relation. Et moi, non, c'est ça? Tout ce que je te dis est de faire ce qui est juste. Toi et moi savons que tu n'es plus intéressé par elle. Donc libère-la, dis-le-lui. Je ne le ferai pas, d'accord? Je ne le ferai pas tant que je ne suis pas sûr de ma position vis-à-vis de Scarlett. Donc, tu vas garder les deux femmes. Ça, c'est être très égoïste. Très égoïste. Tu sais quoi je vais prendre? Toutes tes paroles comme de la pagaille, c'est ça. Parce que ce n'est pas vraiment ton affaire. Et tu dois décider de savoir de quel côté tu te penches, d'accord? Ou soit tu es pour Abigail au moins. Parce que c'est comme tu veux commencer à dormir dehors. Tu es dingue, tu sais. Mais tu as raison, ça ne me concerne pas. Donc fais ce que tu veux. Écoute, rien que l'idée d'avoir une indépendance financière m'a réveillé en sursaut. Honnêtement. Ah, je suis toujours là, j'attends. Je suis vraiment fatiguée. Bientôt, je vais rentrer. Comment est-ce que je le saurais? Mais je croyais te l'avoir dit. Ma copine est une conseillère financière. Elle travaille comme consultante dans une boîte en ville. Elle avait fait ses boulots seule. Mon cher, s'il te plaît, je te rappelle, ok? Merci. Je t'en prie. Tu aimes cet endroit? C'est bien. Bien. Excusez-moi. Que puis-je vous servir, monsieur? J'aimerais prendre un de vos meilleurs cocktails. Et qu'est-ce que tu aimerais prendre? Oui, je prends la même chose. Super. Bien, tout de suite. Alors, pourquoi aujourd'hui? Je ne veux juste pas que tu perdes ton boulot en venant dans mon bureau. C'est une bonne pensée de ta part. J'espère que tu ne vas pas refaire ce que tu faisais à la salle de gym. Excuse-moi. Oh, arrête. Je crois que je n'avais pas remarqué comment tu me regardais quand je venais à la gym. J'espère que, de toute façon, je ne t'ai pas fait peur. Non, pas du tout. Quoi? Tu es belle. Toi de même. Tu es un bel homme. Merci. Merci. Merci.
Merci. Merci. Alors, parle-moi de ta petite amie, sinon le rendez-vous sera de Qu'est-ce qui t'a fait penser que j'en ai une? Parle-moi de ton petite amie. Qu'est-ce qui t'a dit que j'en avais? Oh wow, c'est comme ça que nous allons jouer. Je sais, échappée belle ou quoi? Ok, nous nous sommes séparés. Pourquoi? Nous nous sommes éloignés l'un de l'autre. Elle est à l'extérieur du pays? Non. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Je viens de te donner une réponse et c'est tout ce que, tu sais, je peux te dire. On dirait que tu t'attendais vraiment à cette question. Non, non, j'essaie juste d'être honnête. Je veux dire, je suis célibataire et comme tu es célibataire aussi, j'aurais aimé qu'on devienne des amis. Il n'est pas nécessaire de mentir sur quoi que ce soit. Ok. Nous sommes dans les mêmes cas. Je viens à peine de rompre ma relation amoureuse. Je ne suis pas encore prête de me laisser emballer dans une autre. C'est bien, j'apprécie ta franchise. Parce que j'aime prendre les choses au fur et à mesure, tu vois, pas de pression. J'apprécie beaucoup. Très bien. Alors, bien. Les plats semblent être vraiment délicieux. Je te laisserai faire la commande de ton choix. Non, c'est toi qui le fais, n'est-ce pas que c'est toi qui m'as invité? Non, ici. Tu es une dame. Les dames d'abord. Bien, si tu le dis. Ce n'est pas seulement fini là. Au moment où vous allez signer, vous allez continuer à contrôler votre compagnie. Oui, ça c'est pour évaluer votre situation financière de la compagnie pour ne plus tomber dans les erreurs. Oui, ça c'est comme ça que nous fonctionnons. J'ai les mêmes rôles que vous dans ma compagnie, monsieur. Oui, je vais aussi faire mon rapport. Ok, je vais attendre votre réponse. Il n'y a pas de problème. Merci, bonne nuit. Salut. Salut. Est-ce que tout va bien? Comment? Je ne sais pas, mais tu as l'air triste. Je vais bien. Écoute, je ne faisais que réfléchir. Penser à propos de quoi? Comment ça se passe quand on perd quelqu'un qu'on aime? Qu'est-ce qui est encore arrivé? C'est rien du tout. Ça ne t'arrive pas d'être émotionnel de temps à autre? Ah, tu as le droit d'être émotionnel, ma chérie. Mais est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Pourquoi? Ok, bien sûr que tu l'es. Tu as des réactions étranges. Je vais bien. Ok, on est là. Oh! Allô bébé, comment vas-tu? Je croyais que tu étais là, je viens de rentrer dans ta chambre. Je suis chez mon chéri. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors j'ai quitté le bureau à temps et j'ai profité d'aller au marché pour faire les achats. Vas-tu préparer là-bas? Oui, comme tu le sais que je le fais de temps en temps. Je sais, mais j'espérais que tu allais lui donner un peu de l'espace, le temps de découvrir ce qui se passe. Veux-tu préparer ou souhaites causer au téléphone? Pas réellement, mais je ne peux pas arrêter de préparer pour lui juste à cause d'une prétention. Bébé, je ne sais pas, mais y a-t-il un problème? La façon dont tu me parles... Pour la nourriture, non? Je ne fais que m'inquiéter pour toi. D'accord, ma chérie, c'est compris. Bon, arrête d'abord.
J'ai entendu ça. Allez, je te l'ai dit plusieurs fois. Encore, encore et encore. Je n'ai pas de petite amie. Combien de fois veux-tu que je le dise? Au début, tu as fait bien bouger les choses, mais actuellement, c'est toi qui le fais traîner. D'accord, je vais te parler une fois prêt. Au revoir, beauté. Tu vois ça? Tu vois ça? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Quoi? Abigail? Tu veux que je rompe avec elle? Bien, je vais le faire, aussitôt que tout soit confirmé du côté de cette fille. Et la façon dont les choses se passent maintenant. Hé, hey, elle danse sur mon beat. Elle danse sur mon beat. C'est toi qui le sais. Gare, c'est moi qui sais comment. Tiens-toi bien. Je suis un gars habile, non? Quel genre d'idée rétrograde que tu as en tête comme ça? Abigail. Salut. Salut, est-ce que... Tu viens d'arriver, c'est ça? Oui. Oh, super. Tu vas dans la cuisine? Avec ça, c'est ça? Ou dois-je aller te chercher un verre d'eau? Oui. D'accord. Salut les filles. Salut Scarlett. Très ravie de te rencontrer. On ne parle qu'au téléphone. Oui, le plaisir est le mien. Merci. Vas-y, prends place. C'est bon, merci. Lui, c'est mon collègue Dave. Salut. Je suis désolée parce que nous devrions attendre mon boss. Il est important qu'il prenne part à cette réunion. Oh, il n'y a pas de problème, on attend. Très bien, merci. Ouais. Désolée. Ok. Allô? Je vais bien, et toi? Présentement, je suis à la réunion et j'attends que mon boss nous rejoigne. Oh, Leo, s'il te plaît, fiche-moi la paix. Tu fais toute cette romance pour que nous allions encore au dîner pour la deuxième fois, n'est-ce pas? Dis-moi, comment va ton ami? Oui, Johnson. Comment il va? D'accord, salut-le de ma part. Moi, je suis encore à la réunion. Mon boss n'est pas encore arrivé. Je crois qu'on s'y reverra d'un moment à l'autre. C'est bon, merci. Bonne journée. Abigail? Abigail, ouvre! Abigail, tu vas bien? Allez, ouvre-moi la porte! Abigail, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, parle-moi! Abigail,
Autrefois, lorsque j'étais partie chez lui pour préparer, je l'avais entendu parler au téléphone à propos de sa nouvelle relation amoureuse. J'avais une réunion avec un client aujourd'hui. Lors de cette rencontre, j'ai finalement découvert la fille en question. Comment sais-tu cela? Lorsqu'on attendait le boss de la fille, Léo avait appelé. Il existe plusieurs Léo. Ce n'était pas n'importe quel Léo. C'est le même Léo qui a pour ami Johnson. Oh. Donc, cela veut dire que mes soupçons sont bien réels. Qu'est-ce que tu veux dire? La fois passée, j'étais dans les restaurants et j'avais croisé Léo avec une autre fille. Ils avaient l'air d'avoir une liaison. Tu ne m'as jamais dit ça. Je n'étais pas sûre de quoi que ce soit. Je veux dire, elle pouvait aussi être quelqu'un d'autre. Je suis très désolée. Ok. Ok. J'étais sortie de cette réunion. Et je ne sais même pas qu'est-ce que David était resté dire dans cette réunion. Je ne sais pas. Que vas-tu faire maintenant? Je ne sais pas. Je me suis sentie bête et stupide. Pourquoi est-ce que... C'est bon, ne sois pas dur envers toi-même. Juste calme-toi. Que je t'apporte à manger? Je ne comprends rien. C'est comme si... Hé, chic demoiselle. Oui, non, mais tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais. D'accord, pas de problème. Je te le ferai savoir, au cas où tu me rappelles. D'accord. Mais attends, je pense que j'ai vu certains sachets remplis d'ingrédients dans la cuisine l'autre fois que Abigail était venue et elle planifiait de faire la cuisine. Attends un peu. C'est moi que tu parles? Kona, à qui je m'adressais, tu sais? Que s'est-il passé? Est-ce qu'elle est repartie avec tout? Elle n'a plus fait la cuisine? Tu l'as appelée? Non. Maintenant, pourquoi avons-nous cette conversation? Vraiment, toi aussi, hein? Mais attends, cette nourriture-là, ce n'est pas celle que tu achètes chez cette fille insensée-là. C'est une nourriture qui n'a jamais de goût. Gare, calme-toi. Tu t'enflammes trop. Je pensais que tu n'avais pas fait. Peu importe. Parce que tu es allé acheter la nourriture aujourd'hui, donc... Pourquoi tu ne réponds pas à cet appel? C'est mon boss. Je crois qu'il a parlé à Dave. Pourquoi tu ne lui avais pas parlé aujourd'hui au bureau? Je n'étais pas partie au bureau. Quoi? Je n'arrivais pas à mettre mes deux pieds sur terre. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Allô, monsieur. Je me sens mieux maintenant par rapport à hier. Oui, je vais venir au bureau demain. J'avais parlé avec le client en question. Je lui ai promis de le rencontrer demain. Ok, monsieur, merci beaucoup. Merci. Qu'a-t-il dit de ton absence? Apparemment, c'est comme si Dave lui a dit qu'il n'y a rien de grave. Dieu merci.
Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Me focaliser de mon travail et l'aider à évoluer dans l'entreprise. Ah, Abigail, ne prends pas des décisions à la hâte. Quelle décision? Léo déjà a pris une décision pour nous deux. J'ai pensé que j'étais en relation amoureuse avec un homme qui m'aimait autant. Je ne savais pas qu'il était fatigué de moi et qu'il voulait se débarrasser de moi. Comment est-ce que j'étais si stupide? Je ne sais pas quoi dire ni faire. Pardonne-moi si j'ai me donné totalement à lui. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh mon Dieu, j'ai des maux de tête. Les hommes. Allô? Allô, bonjour. Salut. On m'a dit que tu étais rentrée puisque tu ne te sentais pas bien. Oui, c'est la vérité. On était ensemble, mais tu ne m'as rien dit. Même si je t'avais tourné le dos quand je parlais au téléphone, mais tu aurais dû quand même me faire signe. Je m'excuse, j'avais confié la réunion à Dave. D'ailleurs, tu étais au téléphone, alors je ne voulais pas te déranger. Je parlais avec un ami, ce n'était pas officiel. Et mon boss espérait vraiment t'écouter. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pouvons-nous planifier une réunion? Mon boss est en déplacement. Ok, alors est-ce que je peux d'abord te rencontrer avant le retour de ton boss? Je ne suis pas sûre qu'on saura le faire aujourd'hui au bureau. Je vais à la réunion. Donc, je finis, je vais aller à la maison. Si c'est possible, on peut se voir au restaurant qui est tout près de ma maison. Oh, d'accord, il n'y a pas de problème, je suis contente. Envoie-moi l'adresse et je serai là. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, merci. Ça va prendre combien de temps pour qu'il arrive ici? Qui? Ton petit ami. Je ne suis pas ici pour voir mon petit ami. Et pourquoi tu pleures? Rien du tout. Merci. Qu'est-ce qui t'a fait rire? J'ai 5 sœurs. Et tu es comme la 3e. Elle prétend que tout va bien, alors que rien ne va bien. Oh, monsieur, je ne suis pas ta sœur. Je suis ici pour un rendez-vous d'affaires. Rendez-vous d'affaires? Et te voilà en train de suer tes larmes? Mais tu devrais appliquer de la poudre. Et paraître professionnel comme tu devrais l'être. Merci. Peux-tu disposer, s'il te plaît? Je suis Félix. Bien. Ce n'est pas ce que j'attends de toi. D'accord. Excuse-moi.
Salut. Désolée pour le temps que je Salut. T'ai pris. Salut. Oh, il n'y a pas de problème. S'il te plaît, prends place. Tu désires quelque chose? Non, ça va. Ok, je vais t'attendre, t'inquiète. Je suis désolée. Oh, ok, c'est bon. Oh mon Dieu. Une autre réunion? Non, pas exactement. En fait, c'est mon petit ami, mon potentiel prétendant. Je lui fais un message, d'accord? Ne te dérange pas pour ça. Mais pourquoi est-ce que tu l'appelles ainsi? Parce que je sais de comprendre s'il est sérieux ou s'il est vrai. Oh. Mais... Tu sais, il est difficile de savoir si une relation est sérieuse ou pas, ma chérie. Parce que quand tu es dans une relation, c'est toujours difficile de le savoir. Oui, bien sûr que ce n'est pas du tout facile. Bien sûr que non. Mon opinion... Vas-y. Je sens comme si... Si tu montres à quelqu'un que tu es seule et que tu cours après lui, ça sera une façon pour toi de dire oui. Ok. Et cela va déterminer notre relation, si tu vas rester ou pas. Oh, je comprends là où tu es. Écoute. Envoie-moi les dossiers et je vais m'en occuper. C'est vrai? Bien sûr. Merci beaucoup. Mais notre réussite dépendra de toi. Nous n'allons pas vous décevoir. D'ailleurs, en effet, mon travail, c'est de me rassurer que nos clients puissent prendre la meilleure décision. Ok, c'est bon. Eh bien, j'attendrai ton mail, d'accord? Bye. D'accord, merci. Qu'est-ce que je viens de faire? Wow! Vraiment, tu as très bien fait. Tu sais quoi? Voici ma carte de service. Alors, tu peux m'appeler. Mon entreprise pourrait avoir besoin de tes services. Merci. Qu'est-ce que j'ai fait? Gare, Scarlett arrive. Quoi? Scarlett arrive. Comment as-tu essayé de la convaincre? Mon pote, je ne veux pas savoir ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait, mais je dois garder ça d'abord. Mais le point est que Scarlett arrive. C'est quoi encore ce... Ok, que je rompe avec Abigail, c'est ça? C'est fait, d'accord? C'est fait. Hey. Salut, Miss Beauté. Salut, le bel homme. Oui. Quoi? Oui, il ne me donne pas l'impression. Attends. Oui, pour nous? Oui. Tu n'as aucune idée de la joie que cela me procure. Ah, ma chérie, qu'est-ce qui se passe?
Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai juste aidé Léo à voir ce qu'il veut. Que veux-tu dire? J'avais une réunion avec la fille en question aujourd'hui. Et je ne sais pas. Je sais pas pourquoi est-ce que j'avais fait cela. C'est bon, allez, ça suffit. Ça suffit, ma belle. Allez, tu calmes, ça va. Excusez-moi, monsieur. Ça fait un temps que vous êtes assis là. Cherchez-vous quelqu'un, s'il vous plaît? Oh, ne vous en faites pas. Elle sera bientôt là. Oh, c'est vrai? Désolée, monsieur. Je me reconnaîtrai le nom. Comme ça, je peux l'appeler pour vous. Ne vous en faites pas. Elle sera bientôt là. Ok. Salut, Abigail. Que penses-tu en venant dans mon bureau? Hé, hey, ce n'est pas important toute cette humeur. Mais je n'ai pas apprécié ce que tu as fait. Faire quoi exactement? Venir me chercher ici. Je ne suis pas intéressée. Écoute, je ne te cherche pas comme tu es en train de penser là. Je suis mariée et j'ai aussi des sœurs. Et je ne suis pas ta sœur. Ok. Je voulais me rassurer que tu allais bien. Bien, je vais bien comme tu le vois. Merci. Abigail. Quoi? Regarde, je travaille durement pour faire connaissance avec les hommes célibataires, pas pour les hommes mariés comme toi. Ne sois pas intéressée en moi, ok? Je suis mariée et j'ai tout ce qu'il me faut. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu sais, je t'ai vu parler avec la fille au restaurant l'autre jour. Tu sais, au début tu as fourni des efforts pour la convaincre. Et soudainement, une opportunité est venue. Et tu en as donc profité. Quelle opportunité? Tu lui as parlé avec tes émotions jusqu'à la convaincre à dire oui à l'homme qu'il considérait. Et ce n'est pas donné à tout le monde de faire ce que toi tu as fait. Mais pam, tu as obtenu ce que tu voulais. Je peux te rassurer que tu ne sais pas ce dont tu parles. Oh, j'étais là. Alors qu'est-ce que tu veux? Viens travailler avec moi. Oui, et je vais te payer 3 fois plus que ton salaire d'ici. Pendant combien de temps, si je peux te demander? 2 ou 3 mois avant que tu ne sois propulsé? Oh, c'est juste que tu ne connais pas mon entreprise. Ok, je commence par là. Je vais te payer 6 mois d'avance. Pourquoi? Est-ce que tu veux faire ça? Parce que je ne peux m'empêcher de le faire. Écoute, tu es exceptionnel. Bien. Je n'avais rien fait de spécial, ok? Tu ne peux pas le réaliser. Mais moi, j'étais là. Tu avais des problèmes très particuliers à toi. Mais une fois que la fille a fait son entrée, tu as adopté une très belle attitude pour représenter ton entreprise. Et c'est ce que je veux. Bien, je ne quitterai pas ma compagnie, ok? Je ne suis pas intéressée. Ok, mais pendant combien de temps tu pourrais être libre? Parce que je ne peux pas trouver quelqu'un d'autre. Écoute, il y a tant de gens à l'extérieur que tu peux intéresser, ok? Écoute, je t'ai observé. Et si j'étais ton boss, j'allais te donner une promotion là tout de suite. Écoute, je t'ai attendu ici presque 1 heure. Mais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à le comprendre? Bien, je veux réfléchir à propos et je veux t'appeler lorsque je veux prendre une décision. Pour le moment, je dois participer à une réunion. Merci. S'il te plaît, n'oublie pas de penser à ça. D'accord, pas de problème. D'accord, bye. Hé, hey, ma chérie. Salut. Ah, pourquoi ce visage? Mon boss veut que nous puissions déjeuner demain matin. J'ai peur. C'est vrai ça? Ah,
Es-tu ce qui ne veut pas te faire les yeux doux? Mon boss n'est pas comme ça. Ces derniers temps, il vire des agents, surtout dans les départements du finance. J'ai peur d'être la prochaine. Toi, la prochaine. Ma chérie, tu sais comment tu as travaillé ces derniers temps. Tu n'iras pas, s'il te plaît. Mais je ne peux m'empêcher d'avoir peur. À propos, comment était ta journée? Ma journée? Je t'ai dérangée par un monsieur qui voulait me piquer de mon entreprise. Ma journée était bonne. Est-ce qu'il fait une bonne offre? C'est pas ça le problème. Ma chérie, je n'irai pas, s'il te plaît. Ma compagnie me traite très bien. D'ailleurs, ses propositions sont ridicules. Il m'a même proposé qu'il va commencer à me payer 2 ou 3 fois de plus que mon salaire et 6 mois d'avance. Quoi? C'était aussi ça ma réaction. Est-ce qu'il sait combien tu gagnes? T'inquiète, peut-être qu'il n'essaie que de faire la cour. De quoi est-ce que tu parles? D'ailleurs, rien ne va arriver entre nous. Oh, c'est ça. Peux-tu venir avec moi demain au restaurant pour que nous puissions rencontrer mon ami et parler de ses plans d'investissement? À condition que tu fasses pour moi le riz au coco. Prie seulement que je ne sois pas virée, parce que si je ne suis pas virée, je vais te gâter avec non. Les cadeaux. On ne va pas te chasser. Deuxièmement, pas de riz au coco, pas de réunion. Je le ferai, ma belle. Juste, on s'est très bien convenu. Pour que je ne puisse pas être virée. Oh, oh Seigneur, je n'ai pas envie d'être virée. Je t'en prie. Oh. Oh, babes, comment ça s'est passé? Ma belle, j'ai été promue. Es-tu sérieuse? Félicitations. Il est de l'autre côté, allez, viens lui dire bonjour avant de partir. Ok, bien. Alors, tu vas commencer à travailler dans un département ou quoi? Je suis la chef du nouveau département. Et pas qui ça, j'aurai 50% des intérêts. Es-tu... J'ai une nouvelle voiture. Oh mon Dieu, viens ici. Waouh. Je sais. Qu'est-ce qu'il fait ici? Oh, c'est mon boss. Allons lui dire bonjour avant de partir. Oh, monsieur Félix, je vous présente ma meilleure amie Abigail. Oui. Oh. Oui, monsieur. Oui, d'accord, monsieur. Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est rien, allons-y, ok? Allons-y. Ok, partons, oui. Mais comment tu connais mon boss? Eh ben, c'est lui qui m'offrait le job. Les gars qui avaient des enfants et qu'il était marié? Ouais. Ah ah. Il n'est pas marié. D'ailleurs, son père lui tient au cou depuis des années. Il veut qu'il puisse se marier. Alors, pourquoi est-ce qu'il m'avait dit qu'il était marié? Il m'avait même dit que sa femme était tout pour lui. Peut-être qu'il t'apprécie. Et c'est un type gentil, il est vraiment drôle. Comment est-ce que quelqu'un peut blaguer avec ce genre de choses? Peu importe, Dieu merci, je ne suis pas intéressée. Écoute, il peut te payer tout ce qu'il t'avait dit. Ce garçon est riche, il est pléonasme. Ça fait des années qu'il était le numéro 1 du département de finances. Et il connaît d'autres experts. Mais il est venu vers toi. C'est simple, s'il avait dire que Félix aime Abigail. Ben, je n'ai pas besoin d'une personne comme lui maintenant. Oui, donc il y a les démons sur cette main. Et mon boss, de l'autre côté, on verra qui va gagner. Rien. Oh, tu parles pour rien. T'inquiète, tu iras bien. Oui, bien sûr. Oh mon Dieu. Oui, qui est-ce? Oh. J'arrive. Oh, salut Léo. Salut. Je t'en prie, entre. Oui, elle est là. Juste, mets-toi les temps que je parte là. Très bien, merci. Je reviens. Thank you.
Hey. Salut. Salut. Tu as quitté la maison l'autre fois et depuis je ne t'ai plus vu et je n'ai pas eu de tes nouvelles. Toi non plus, tu n'as pas appelé. Bien. Rien de tout cela n'a pas vraiment d'importance en ce moment parce que je suis venu pour parler de l'état réel de notre relation. À propos? Ce que nous avons ne marche plus, Abigail. Selon qui? Sois un réaliste. C'était quand la dernière fois que tu es venu? C'était quand la dernière fois que tu es appelé? C'est parce que je suis très occupée. Ah, bien. Ne rends pas les choses plus difficiles pour moi. Qu'est-ce qui est difficile pour toi? J'en ai assez. Je te quitte. Pourquoi est-ce que tu me quittes? Tu côtoies quelqu'un d'autre? Est-ce que je dois sortir avec quelqu'un d'autre pour vouloir rompre avec toi? Mais je pose juste une question. Eh bien, non, je ne le fais pas. Mais nous devrions tous les deux être ouverts à la possibilité de sortir avec d'autres personnes. Oh, ce n'est pas vrai. Est-ce que tu côtoies quelqu'un que tu aimes plus que moi? Abigail, pour couper court, on peut rester amis. C'est vraiment vrai ce que tu dis? Tu préfères que nous soyons ennemis? Bien, je suis tellement surprise de t'entendre dire ceci. Mais tu sais quoi? À ce stade, je pense que j'en ai fini. À toi de voir. Donc, peu importe ce que tu veux que ce soit, c'est bien. Prends soin de toi. Tout va bien? Je pense que... J'avais l'espoir que ça pouvait marcher. Oh, c'est les gars que tu aimais de tout ton cœur. Tu vois maintenant? Je suis désolée. Tu sais quoi? C'est la dernière fois que j'en parle. Merci. Oh, Abigail. Alors, Margaret, j'aimerais que tu prépares une réunion avec nos partenaires, ok? Tu as vu la lettre du directeur, alors s'il te plaît, fais tout ce que je t'ai demandé. Surtout pour cette réunion, ok? Ok, madame, merci. Oh, salut, Abigail. Hey, comment tu vas? Ah, ok. Désolé. Je n'ai pas encore reçu tes appels. Est-ce que je dois encore te donner mes coordonnées? Bien, c'est parce que je n'ai rien à voir avec toi ou ton offre de job, ok? Ah. Écoute, n'oublie pas ce que je t'ai demandé, ok? Ok, madame. Ah. Abigail! Salut. Au revoir. Bonne journée, monsieur. D'accord, merci. Abigail, il appelle encore. Je ne suis pas intéressée. Tu ne sais même pas de qui il s'agit. Bien, peu importe ce que c'est, je ne suis pas intéressée. Ok, c'est Félix. Abigail, écoute, je n'ai jamais vu quelqu'un insister comme ça. Ça fait 3 mois qu'il le fait qu'il demandait après toi. Il appelle chaque jour. Alors, c'est la raison pour laquelle il doit arrêter. Tu peux avoir mon téléphone, s'il te plaît? D'accord. Peut-être qu'il faudra que je te dise quelque chose. Quoi?
Johnson et moi nous causons. Ouais, je le sais bien. Quoi? Bien, c'était moi qui avais parlé avec lui 2 mois avant que nous puissions rompre avec Léo. Écoute, je lui avais parlé à propos de toi. C'était un bon homme. Félix aussi était un homme bon. Oh. Écoute, je sais. Je sais que nos cœurs ont été brisés, mais ces hommes n'ont rien à voir avec ceux qu'on a connus. Alors pourquoi nous punir? Suzy, tu ne comprends pas. Écoute, je ne me vois plus donner 100% d'amour chez un homme encore. Bébé, que ce soit Félix ou Dave, peu importe qui. Écoute, même un seul rendez-vous d'abord. Si Johnson et moi, on n'est jamais sortis, alors qu'est-ce qui t'empêche de sortir avec Félix? Oh, ma chérie, ça ne marchera pas ainsi. C'est comme ça que ça va se passer cette fois-ci. Sais-tu au moins combien de fois tu m'es dérangée? Pour que je tourne la page à cette déception, maintenant, je te retourne, c'est là. Écoute, si tu ne pars pas dans la chambre t'habiller et sortir avec lui, la prochaine fois qu'il va appeler, je lui dirai de venir ici à la maison. Tu ne le feras pas. Regarde et tu verras. Oh! Abigail! Salut, Félix! Sois la bienvenue! Merci! Prends place! Oh! Je crois que tu n'es pas dérangée comme tu es venue là aujourd'hui. Pourquoi demandes-tu ça? Ok. Désolé pour ça. Tu as besoin de quelque chose? Non, pas maintenant. Tu es sûre? Ouais. Ok, laisse-moi commencer par m'excuser pour t'avoir menti il y a 3 mois passés. Je ne suis pas marié et je sais que tu le sais maintenant. Oui, j'ai appris beaucoup de choses sur toi, mais je veux te demander, pourquoi avais-tu menti? Tu sais, peu importe ce que ton homme t'a fait, j'ai découvert qu'il avait fait très différemment des hommes célibataires comme nous. C'est-à-dire m'approcher près de toi. Je pense encore comment tu m'as regardé ces jours-là. Et je savais que je devais avoir quelques minutes pour dire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? Abigail, j'ai perdu ma mère et ma fiancée. Et c'était le même jour. Et la fille que j'avais après a couché avec mon oncle. Bien, désolée de l'entendre, mais pourquoi est-ce que tu me dis ça? Mais quand je souffrais, les gens pensaient que je devrais avoir besoin d'une femme dans ma vie. Non. Tout ce que je voulais, c'était une amie. Ne sors pas avec moi. Laisse-moi juste être ton ami. Hey bébé, salut. Désolée, je dois déposer mon laptop. Tu es sûr? Le point de partir comme ça? Oui, je dois faire une présentation demain matin. Je ne comprends pas. Comprendre quoi? Tu n'as guère du temps à me consacrer. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'étais là hier. Après 2 semaines, Scarlett. Après 2 semaines. Je te poursuis de haut en bas. Je continue à courir après toi pour avoir ton attention. Qu'est-ce que c'est? Tu ne nous laisses même pas le temps de profiter des moments spéciaux. Sois compréhensif. Je fais de mon mieux. Au fait, si 2 semaines passées n'étaient pas faciles pour moi, j'étais pleine. Après tout, nous ne devons pas nous tenir au cou. S'il te plaît. Ah. Alors, parce qu'il avait appris que quelque chose lui était arrivé, voilà pourquoi il était venu lui demander pardon.
Bon, tu sais, c'est une partie de l'histoire qui n'a jamais été vraie. Ok. En fait, le fait que l'un quitte l'autre ne veut pas dire que tous les deux ne seront jamais heureux dans leur vie. Et souhaiter que quelque chose de mal arrive à la personne qui t'a blessé, ça c'est la vraie sorcellerie. Ok. Oui. J'apprécie notre amitié. Hein? Oui, moi aussi. Moi aussi. Et je l'avais vraiment souhaité pour moi-même. Merci. Laisse-moi t'accompagner, car je veux rapidement aller voir mon père. Oh, c'est vrai? Oui. Il m'a appelé il n'y a pas longtemps. Alors laisse-moi aller écouter ce que le vieux a à dire. Gare, finalement, oh. Ouais, je vais être comme toi maintenant. Étant donné que je vais être sérieux avec ma petite amie, alors trouver un appartement n'est pas si facile pour moi. Tu connais Scarlett. Depuis qu'elle est partie l'autre fois, je n'ai pas pu être en contact avec elle. As-tu essayé de l'appeler? Bien sûr, plusieurs fois. Je veux dire, qui me fait une relation juste comme ça? Sans dire un mot. Elle aurait dû avoir la décence de me dire quelque chose en face. Écoute, coupé, tout ira bien, ok? Calme-toi et sois fort. Donne-lui un peu de temps pour régler elle-même, quoi qu'il la trouble, ok? Mais en attendant, je dois partir. D'accord, il faut que... Hein? Laisse-moi t'aider avec le sac pour te prouver que je suis gentil avec toi, tu sais, non? Toi, gentil? Je suis toujours gentil avec toi, non? Dis quoi, c'est la repentance ou quoi? J'arrive. Oh, salut. Entre, s'il te plaît. Merci. Tu peux prendre place. Ok, merci. Je pense que tu as faim, je prépare. Oh, j'ai vraiment faim. Ok, je te retrouve dans 5 minutes alors. Tout oh, comment s'est passée la réunion avec ton père? Oh, c'était bien passé. Pourquoi est-ce que tu ris alors? Ah, il a demandé si je sortais avec quelqu'un et j'ai dit oui. Depuis quand sors-tu avec quelqu'un pour que tu dises oui? Depuis que j'en ai parlé à mon père, je crois. Seulement que je ne lui ai pas encore demandé de sortir avec moi car je voulais me rassurer qu'elle sera mienne. Abigail, seras-tu ma... Oui. Oui. Écoute, Félix, j'aimerais te dire merci. J'aimerais te dire merci pour l'attention et l'affection envers moi. C'était important pour moi de t'accepter. Et de même aussi pour toi. Même quand je ne sais pas comment ça va se passer, tu es toujours là. Et tu m'as montré ce que c'est l'amitié. Merci. Abigail, tu es exceptionnelle. Et tu as un cœur qui aime facilement. Tu sais quoi? Quoi? Prends place, ok? Laisse-moi aller regarder ma nourriture. Ah, ok. Prends je ton suis temps. Là, je t'attends. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées,
ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.